Alors, vivre le Coran. Donc, c'est le sujet dont on va discuter ensemble. Lorsqu'on pose la question aujourd'hui aux musulmans, qu'est-ce que pour vous le miracle du Coran ? Eh bien, vous avez des personnes qui vont vous dire le miracle du Coran, c'est un miracle scientifique, parce qu'on trouve des versets qui parlent d'astrophysique, qui parle d'embryologie, et on ne connaissait pas toutes ces sciences il y a 1400 ans. D'autres vous diront, moi je suis convaincu que le miracle du Coran, il est dans la rhétorique, dans la linguistique. On est capable de démontrer, peut-être par A plus B, que le style rhétorique du Coran n'est pas un style humain, que ça ne peut venir que de Dieu. D'autres vous diront, vous parleront du miracle numérologique du Coran. Ce dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est aucune de ces choses. Mon intime conviction, c'est que le plus grand miracle du Coran, c'est le fait que ce livre est capable de nous transformer, de vous transformer vous et de me transformer moi, de nous transformer de l'intérieur, de faire de nous des êtres meilleurs, des êtres qui sont capables ensuite d'œuvrer et de transmettre ce message, un message de bien et de paix. Mais la preuve, me direz-vous, quelle est la preuve de ce que je raconte ? Lorsque vous revenez dans l'histoire, il y a 1400 ans, eh bien vous vous rendrez compte que les hommes et les femmes qui ont porté ce message, avant le Coran, n'étaient que des bédouins. C'étaient des hommes qui n'étaient pas civilisés. Ils ne savaient pas ce qu'était la civilisation. Ils n'étaient pas éduqués, ils ne savaient pas lire et écrire. Ils vivaient dans une société où la seule loi qui régnait était la loi du plus fort. Le plus fort écrasait le plus faible. C'était comme ça que ça marchait. Ils étaient dans une société où la femme n'avait aucune importance. La femme était un objet, où on n'aimait pas la femme, à tel point que ces hommes, plusieurs d'entre eux, lorsqu'ils avaient une petite fille, un nouveau-né, la tuaient. C'est dans ce contexte que le Coran arrive. Et vous vous rendez compte qu'il y a 1400 ans, juste après la révélation, ces mêmes hommes qui n'étaient pas éduqués ont appris à lire et à écrire. Que ces mêmes hommes qui tuaient les femmes ont accordé une importance et une valeur et une place que personne d'autre ne donnait à la femme à l'époque. Que ces mêmes hommes qui tuaient les gens, qui esclavageaient les gens, eh bien, se seront trouvés à défendre les plus démunis, à défendre les faibles, à défendre les orphelins, se sont retrouvés à acheter des esclaves par centaines et à les libérer pour qu'ils soient libres. Ils ont défendu la liberté, ils se sont battus pour la liberté, ils se sont battus pour la justice. Ces mêmes hommes qui étaient des ignorants ont ensuite transmis la science. Ils ont contribué pendant des générations et des générations au progrès qu'il soit scientifique, politique, économique, philosophique, artistique. Mais qu'est-ce qui les a transformés ? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là sont devenus cela ? Eh bien, ce qui les a transformés, c'est ma théorie, j'espère que vous la partagerez, c'est qu'ils ont porté le Coran dans leur cœur, qu'ils l'ont vécu et qu'ils l'ont appliqué. Alors vous allez me dire, mais comment faire ? Comment faire pour vivre le Coran comme ces hommes l'ont vécu et se transformer comme ils se sont transformés ? Alors je vais vous donner quelques pistes. La première des choses, si vous voulez vivre le Coran, c'est de comprendre que vivre le Coran, c'est se rappeler. Se rappeler de quoi ? Se rappeler de qui ? La première des choses, c'est se rappeler de notre Créateur. Se rappeler de Dieu. Lorsque vous ouvrez le Coran et que vous lisez, la première des choses que vous devez faire, c'est vous rappeler de Dieu. Vous rappeler du fait qu'il vous a créé, qu'il vous a donné la vie et que c'est vers lui que vous retournerez. À chaque fois que vous voyez un nom de Dieu, cheminez vers lui et faire connaissance avec lui à travers le Coran. Vous rapprochez du miséricordieux. Vous rapprochez de celui qui vous donne votre subsistance. Vous rapprochez de celui qui est votre compagnon et votre allié. De vous rappeler de lui. Se rappeler, c'est également se rappeler de cette vie et de son sens. Donner un sens à votre vie, donner un sens à votre quotidien. À partir du moment où vous vous rappelez que Dieu vous a créé, alors vous comprenez pourquoi est-ce que vous êtes là sur terre et quel est le sens de votre vie.
donner un sens à sa vie, eh bien, c'est également se rappeler de sa mort. Se rappeler que, à un moment ou à un autre, tout va s'arrêter, mais que ce n'est qu'un début, que la vie d'ici-bas est un voyage fait de réussite, fait d'épreuves et fait de défaites, mais que chaque jour de réussite vous rapproche de Dieu, et que chaque jour de difficulté et d'épreuve vous rapproche de Dieu. Et que si vous ne savez pas à quel moment vous allez mourir, alors vous devez préparer dès aujourd'hui ce moment. Donc le premier truc que vous avez à faire lorsque vous ouvrez un Coran, c'est effectivement vous rappeler. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que le Coran est là pour faire de vous des êtres meilleurs. De comprendre que nous sommes tous des êtres humains, que nous avons tous des qualités, tous des défauts, que nous avons tous des moments de force et tous des moments de faiblesse. Eh bien, le Coran est là pour vous transformer de l'intérieur. Dieu dit dans le Coran « Ya ayyuhannasu qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum » مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Dieu vous dit qu'il y a dans ce livre une guérison pour ce que nous avons dans les poitrines. Il dit dans d'autres passages qu'il y a dans ce livre un apaisement pour nos cœurs. Alors posez-vous la question, est-ce qu'il vous arrive d'être triste? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir faible? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul au monde? D'avoir le cafard? Je pense que tous dans cette salle, un jour ou un autre de notre vie, on s'est senti seul au monde. Eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Que ce qui vous arrive est arrivé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un jour, après avoir commencé à recevoir les révélations, après avoir commencé à goûter à cette proximité avec son Créateur, après avoir eu comme compagnon l'ange Gabriel, un jour la révélation s'arrête, subitement, pendant quelques semaines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces semaines, n'a aucune nouvelle, ne sait pas pourquoi son Créateur ne lui envoie plus de messages. Et il commence à se sentir seul, il commence à se sentir triste, il commence à se sentir abandonné. Et bien quelques semaines plus tard, Dieu lui révèle une toute petite sourate qui fait une demi-page, qui lui dit وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. La première des choses que Dieu lui dit dans cette sourate, c'est qu'il ne l'a pas abandonné. Il lui remet confiance en lui, en lui disant « Tu n'es pas seul, je suis là. » Et ensuite, Dieu ne s'arrête pas là. Il lui donne des preuves. Il lui dit أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Est-ce qu'à un moment de ta vie, hein, Mohammed, tu n'as pas été orphelin? Et quand tu étais orphelin, est-ce que Dieu ne t'a pas accompagné? Est-ce qu'à un moment de ta vie, tu n'as pas été égaré et Dieu t'a guidé vers la lumière? Est-ce qu'à un moment de ta vie, tu n'as pas été pauvre et Dieu t'a donné à manger et à boire? Vrai ou faux? C'est vrai. Et en plus, au moment où tu étais pauvre et orphelin et égaré, tu ne connaissais même pas l'existence de Dieu. Tu ne savais même pas que Dieu était là. Ce n'était même pas ton compagnon. Et à ce moment-là, il était avec toi, alors même que toi, tu ne le connaissais pas. Dieu lui donne la preuve. Il vous dit à chacun d'entre vous, lorsque vous avez mal, eh bien, rappelez-vous que Dieu a toujours été là pour vous. Même si vous ne vous en souvenez pas. Et regardez ce qui vient juste derrière. Il lui dit... فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. J'ai été là pour toi quand tu étais orphelin, aide les orphelins. J'ai été là pour toi quand tu étais égaré, guide les gens. J'ai été là pour toi quand tu étais pauvre, sois avec les pauvres. Il lui fait dans cette sourate une remotivation, il lui redonne confiance en lui, il le relie à son Créateur et il le rend actif. Subhanallah. Une demi-page de Coran. Vous avez des problèmes d'orgueil, de vanité? C'est une de vos faiblesses? Eh bien, sachez que les versets du Coran vous guideront vers l'humilité et la modestie. Vous aimez trop l'argent de manière excessive? Vous êtes un peu avare? Il y a des gens qui sont avares. Vous avez fait un don en venant? Non?
Vous êtes un peu avare, vous avez du mal à sortir l'argent, moi j'ai rien dans ma poche. Eh bien sachez que le Coran vous guidera vers le don de soi et vers la générosité. Il fera de vous des gens meilleurs. Donc la deuxième chose à retenir, c'est que vivre le Coran, c'est vaincre ses faiblesses, c'est travailler sur soi au quotidien pour devenir quelqu'un de meilleur de l'intérieur. Ensuite, vivre le Coran, eh bien, c'est comprendre que ce livre n'est pas un livre que je mets juste sur ma table de chevet, que je lis la nuit juste avant de m'endormir. Ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des contes. Ce livre est un guide. Qu'est-ce que ça veut dire, un guide ? Ça veut dire que dans ma vie au quotidien, j'ai 3 milliards de trucs à faire. Je me retrouve toujours dans des situations farfelues, dans des décisions que je dois prendre. Eh bien, sachez qu'à chaque fois que vous aurez ce dilemme, vous trouverez des réponses dans le Coran. La preuve, vous êtes jeune, vous avez du mal à pratiquer votre foi, vous trouvez que le contexte environnant est un peu hostile, ne vous aide pas à vous épanouir spirituellement. Eh bien, lisez des histoires dans le Coran. Vous savez qu'un tiers du Coran est fait d'histoires ? Pourquoi un tiers du Coran est fait d'histoires ? Parce que nous pouvons nous identifier à ces histoires. Parce que ces histoires, elles ressemblent à votre vie et à la mienne. Donc lorsque vous êtes jeune, eh bien, regardez dans Sourate Al-Kahf. C'est jeune de Sourate Al-Kahf. Vous êtes jeune, lisez l'histoire de Sayyidina Yusuf. Vous êtes jeune et vous avez du mal, vous vous sentez mal, eh bien, lisez l'histoire de Maryam, Marie, la mère de Jésus, Sayyidina Isa. Vous trouverez dans ces histoires des choses qui vont ressembler très près à ce que vous vivez. Vous êtes un parent ? Vous ne savez pas comment éduquer vos enfants ? Vous vous dites c'est difficile d'éduquer les enfants ? Eh bien, lisez l'histoire de Sayyidina Luqman. Regardez quelle sagesse cet homme a transmis à son fils. Qu'est-ce que je dois transmettre à mes enfants ? Lisez cette histoire. Regardez comment Sayyidina Nuh, Noé, regardez Sayyidina Ibrahim, Abraham, regardez comment ces hommes étaient proches de leur fils. Regardez comment ils parlaient avec tendresse et amour à leurs enfants. Regardez comment ils étaient proches d'eux. Vous apprendrez d'eux. Vous voulez travailler ? Vous voulez innover ? Lisez les histoires de David, Sayyidina Daoud. Lisez l'histoire de Dhulqarnayn. Ces hommes qui ont parcouru la terre d'est en ouest, qui ont innové, qui ont contribué au progrès. Vous êtes à un poste de responsabilité ? Vous êtes un chef ? Vous êtes un cadre ? Lisez les histoires de Sayyidina Sulayman. Regardez comment cet homme avait compris que ce que Dieu lui donnait comme pouvoir était en réalité une épreuve, que c'était en réalité une responsabilité et comment il devait gérer ça dans son royaume. Lisez ces histoires. Vous cheminez vers Dieu, votre foi est grandissante, vous voulez avancer dans votre foi. Lisez l'histoire de Sayyidina Moussa, une histoire magnifique, une histoire pleine d'enseignements, une histoire de cheminement spirituel. Sayyidina Moussa, Moïse, cet homme qui, lorsque vous lisez les premiers épisodes de l'histoire, vous vous rendez compte que le mot qui revient le plus, c'est la peur. Il a peur. Dieu lui envoie des signes, il voit les signes, il a peur. Dieu lui dit, va voir Pharaon, il lui dit, mais j'ai peur qu'il me démente. Envoie avec moi mon frère. Tout ce que Dieu lui demande, il a peur. Cet homme-là qui a peur, vous sautez quelques épisodes, vous revenez quelques épisodes plus tard, et là, Sayyidina Moussa est avec son peuple, Bani Israël, les enfants d'Israël. Ils sont en train de s'échapper de Pharaon. Et à un moment, ils arrivent et ils ont la mer devant eux. Et Pharaon derrière eux. Et le peuple de Sayyidina Moussa lui dit « Inna la mudrakoun !» C'est fichu. Ils vont nous attraper. On est fichu. Qu'est-ce qu'il répond ? « Kalla inna ma'i rabbi sayahdin !» Non ! Mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Je ne sais pas si on va se téléporter. Je ne sais pas si la mer va s'ouvrir en deux. Je ne sais pas s'ils vont s'immobiliser derrière nous. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu est avec nous et qu'il nous montrera la voie. Ce même homme qui, en début de série, était super stressé et avait peur, quelques épisodes plus tard, il a une confiance infaillible en Dieu. Infaillible. Eh bien, lisez son histoire et apprenez de ce cheminement spirituel pour vous aussi cheminer vers Dieu. Vivre le Coran,
c'est aussi être une miséricorde pour l'humanité. Parce que il ne suffit pas de vivre sa foi pour soi et de le garder à l'intérieur et d'avoir quelques modèles pour savoir ce que je dois faire au quotidien. Vivre le Coran, c'est aussi les autres. Et Dieu dit dans le Coran à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'univers. Certains traduisent al-alamin par les mondes, parce que dans l'univers, il y a les êtres humains, l'humanité, mais il y a aussi le monde des animaux, il y a aussi les végétaux. Ça veut dire que le musulman est censé être une miséricorde pour l'humanité, mais aussi pour les végétaux et aussi pour les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire être une miséricorde pour l'humanité ? Ça veut dire que tout d'abord, vous devez être un porteur et une source de bien pour votre entourage. Une source de bien pour votre entourage. Votre entourage, c'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos collègues, c'est vos voisins. Mais c'est aussi les gens que vous rencontrez dans la rue, c'est les gens que vous ne connaissez pas, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Vous devez être une source de bien pour toute personne qui vous croisera un jour. Il faut que chaque personne qui vous croise, vous, un jour, dise « Cet homme, cette femme est quelqu'un de bien, il m'a fait du bien, il est une source de bonheur, il est une source de miséricorde. » C'est ça, être une miséricorde pour l'humanité. Être une miséricorde pour l'humanité, c'est aussi défendre des valeurs, défendre la justice, se battre contre la tyrannie, se battre pour la liberté, se battre pour l'égalité. Ça, c'est votre devoir. C'est votre devoir de miséricorde envers l'humanité que de vous battre pour le bien et de combattre le mal. Ça, c'est votre devoir. Votre devoir de miséricorde envers l'humanité, c'est aussi de répondre aux besoins de l'humanité, répondre aux besoins des hommes, de voir à chaque fois que quelqu'un a besoin de quelque chose, que vous puissiez lui apporter ce que vous pouvez, à votre niveau. Et là-dessus, j'aimerais revenir sur mon expérience personnelle. Moi, je travaille dans un centre de recherche. Je travaille sur ce qu'on appelle des aimants supraconducteurs. Ce sont des aimants qui permettent d'atteindre un certain nombre de performances que les aimants classiques n'atteignent pas. Eh bien, il y a quelques années, j'ai travaillé par exemple sur un projet d'aimant d'imagerie médicale. Construire, concevoir l'aimant d'imagerie médicale le plus performant au monde, le plus grand au monde. Et cet aimant d'imagerie médicale, qui sera opérationnel dans quelques années, eh bien, permettra de comprendre mieux le fonctionnement du cerveau. Ce qui veut dire pouvoir résoudre ou comprendre certaines maladies mal connues à ce jour, comme Parkinson ou Alzheimer. Ce qui veut dire aussi être capable de déceler des tumeurs dans le cerveau, qui sont beaucoup plus petites. Aujourd'hui, je travaille sur un autre projet qui parle de l'énergie d'avenir, l'énergie du futur. Comment concevoir une énergie pour nos enfants ? Cette énergie du futur sur laquelle je bosse en ce moment, eh bien, elle ne verra peut-être le jour en termes d'électricité chez vous que dans 30, 40, 50 ans. Peut-être qu'on sera mort avant. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de personnes à travers le monde qui travaillent sur ces projets. Et ces projets sont une miséricorde pour l'humanité. Et pour moi, c'est un honneur et une fierté en tant que musulman de travailler avec une toute petite contribution sur ces projets-là. Parce que ça me permet d'être épanoui intellectuellement, personnellement, mais aussi spirituellement. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous, que vous soyez ingénieur, ou que vous soyez ouvrier, que vous soyez avocat, ou que vous soyez technicien, que vous soyez professeur, ou que vous soyez étudiant, que vous soyez père au foyer, ça existe, ou mère au foyer, eh bien chacun d'entre vous, avec vos connaissances et vos compétences, vous pouvez devenir une miséricorde pour l'humanité. Vous pouvez apporter quelque chose aux autres. La seule chose qui change, comme le disait notre frère tout à l'heure, eh bien, c'est que vous faites le choix de changer. C'est que vous vous reprogrammez. Que vous dites, ce que je fais chaque jour, eh bien, je le ferai pour donner un sens à ma vie. Je vais le faire pour être une miséricorde pour les autres. Et tout de suite, votre vision de la vie va changer et vos actions vont changer. Je terminerai donc avec une question. Qui est partant aujourd'hui pour faire un pas vers le Coran et essayer de le vivre à partir de demain? Levez la main, s'il vous plaît. Eh bien, maintenant, sachez que la balle est dans votre camp et que c'est à vous d'agir. Merci.